Ce sont mes pâtes favorites. C'est vraiment la forme de pâte que je préfère. Ce sont les spaghettis. Je me suis lancé dans les archives, puis dans les vieux, vieux, vieux journaux, puis j'ai retrouvé, regarde, 1919, ouais, on raconte dans le New York Tribune que ce serait, tiens-toi bien, les Germains qui auraient inventé les pâtes. Et là, eux, ils disent, c'est complètement faux ça, ils disent que le terme aurait été Nudel, N-U-D-E-L, et après ça, c'est les Italiens qui auraient volé ça aux Germains, qui l'auraient appelé Macare, qui auraient donné macaroni. Mais il n'y a rien de ça qui est vrai. Puis là, j'ai continué mes recherches dans les espèces de journaux du début du 20e siècle, puis je suis tombé sur Macaroni Journal, qui racontait des espèces de mythes-légendes. A Saga of Cathay. Ce serait Marco Polo qui serait parti en Chine, puis il aurait ramené les pâtes. Mais on s'entend que c'est complètement fou, puis c'est faux, cette histoire-là. Mais là, j'espère que tu vas nous régler cette affaire-là. Ils sont entrés comment en Italie? On sait qu'ils sont pas, c'est pas Marco Polo, mais c'est par quelle porte, c'est où, c'est comment, ou est-ce que c'est juste la lasagne qui s'est transformée, est-ce que c'est juste comme la pâte, les grandes pâtes qui finalement ont fini par se transformer en ficelle et en spaghetti? Entre toi puis moi, l'Antiquité, le Moyen-Âge, puis le Moyen-Âge, t'as des magnifiques enluminures où tu vois carrément des gens qui font des pâtes, et plus encore dans la Grèce antique, ce serait la muse grecque Thalia qui aurait inspiré un homme, Macareo, pour construire une machine en fer pour faire des longs fils de pâtes. On s'en vient là aux spaghettis, on n'est vraiment pas loin. Et il aurait ajouté de l'eau, de la sauce, afin de nourrir, puis ça c'est assez intéressant, les poètes affamés. Aujourd'hui, quand on dit manger des pâtes, c'est souvent pour les sportifs. Les grands régimes des sportifs, c'est des pâtes. À l'époque, la Grèce antique, c'était pour les poètes. On voit vraiment le balancier ici. Tu sais, quand tu dis un esprit sain dans un corps sain, ben les pâtes, c'est l'incarnation parfaite de ça.